Coucou Katia, comment tu vas? Nathalie, je vais très bien, merci, et toi? Super bien. Merci infiniment pour le temps que tu me consacres, surtout qu'on a eu des petits soucis. Donc, d'autant plus, merci beaucoup. Il n'y a Donc, pas de problème. tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant la formation et comment ça t'est venu l'idée de faire ce métier. Alors, il y a encore 2 ans, j'étais fonctionnaire de la fonction publique territoriale. J'ai quitté ma région, l'Alsace, pour suivre mon mari professionnellement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'y suis depuis 2 ans et j'ai trouvé un boulot il y a 1 an et demi dans la fonction publique. Mais en fait, ça ne me correspondait plus. Enfin, je ne pouvais plus. Et du coup, je continuais à me faire les ongles. Donc, ça fait plus de 20 ans que je me fais faire les ongles. Et je me suis dit, le dernier rendez-vous que j'avais eu, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'essayerais pas de me les faire moi-même? Et du coup, quand je suis rentrée, j'en ai discuté avec mon mari, et puis mon mari me dit, bah oui, écoute, regarde, pourquoi pas, ce serait sympa. Je vais faire ça éventuellement. Et j'ai regardé plusieurs vidéos. Alors, j'avoue, au début, je préférais aller en institut pour avoir un suivi, voilà, être sûre de ce que je faisais, de mes gestes, etc. Sauf que quand il y a des formations de 3 jours, 5 jours, je me suis dit, oh là là, ça c'est pas possible, comment on va faire si après ça marche pas, qu'il n'y aura plus personne derrière. Et puis, je me suis dit, ben, j'ai regardé d'autres vidéos sur Facebook, sur YouTube, pardon, et puis je suis tombée sur la chaîne. Je suis tombée sur Journée internationale, où tu expliquais tout ton parcours. Et j'avoue que je me suis retrouvée dans certaines choses que tu disais. Et je te trouvais vraiment agréable, bienveillante, enfin, voilà, vraiment très très gentille. Et je suis allée sur ton site pour voir, et j'ai regardé les témoignages, les différents témoignages de filles. Je l'ai écouté plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'en ai même fait écouter à mon mari. Et puis voilà, et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas, c'est tout à fait ce que je recherche, un groupe bienveillant. Parce qu'on a un suivi, voilà, qu'on ne met pas dehors au bout de 15 jours, qu'on nous dit ça, bon, ben c'est bon, merci, au revoir. Et puis ce qui était bien, c'est que tu proposais, toi, différentes formations, aussi bien la formation de base, et la formation des formes artistiques, et la formation nail art. Et c'est vrai que je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas essayer. Voilà, ça me plaisait vraiment. Comme dit, c'était un super groupe, les témoignages étaient vraiment, enfin, ça donnait que envie, on pouvait que y aller, on avait que envie de venir dans ton groupe. Et puis, comme dit, toi, t'es une personne tellement adorable, gentille, qu'on a vraiment envie de, attachante, qu'on a vraiment envie de venir vers toi, en fait. Et voilà comment je suis arrivée chez toi. C'est adorable, merci infiniment, c'est trop gentil. Et du coup, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, est-ce que ça risque quand même pas d'être une arnaque sur Internet, tout ça? Alors si au début j'avoue, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer? Est-ce qu'effectivement ça va pas être une arnaque? Est-ce qu'au moment où on va payer, on va nous dire, bon ben voilà, maintenant vous avez des premiers points après. Mais après je me suis dit, réécoute les témoignages que j'ai fait. Je l'ai fait écouter à mon mari et c'est vrai qu'ensemble on s'est dit, bah non, non, tu as l'air vraiment d'une personne honnête, bienveillante, donc il n'y a pas de raison. Et puis, comme dit les filles, n'arrêtez pas de dire, ben voilà, que tout le monde se retrouvait, qu'elle s'épanouissait dans ton groupe, qu'elle progressait aussi et que tu nous laissais le temps qu'il fallait. Et c'est là où je me suis dit, ben vas-y ma grande, c'est fait pour toi et voilà. Super. Et est-ce que l'aspect de liberté, c'est aussi quelque chose qui t'a convaincu? Oui, totalement. Parce que étant dans une nouvelle région, voilà, je m'étais dit, ben mon fils aussi, il fallait que je le véhicule. On était en train de construire, donc il fallait que j'ouvre le chantier. Donc effectivement, je pouvais m'entraîner quand je le souhaitais. Et ça, c'était vraiment, vraiment une bonne chose. Ça, j'invite vraiment les filles à venir chez toi parce qu'effectivement, il y a ce mouvement de liberté. Chacun peut progresser à son rythme, à travailler à son rythme, quand elles le peuvent, parce qu'il y en a pour son maman également. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est le côté, un des aspects positifs de la formation. Ça, Génial. Et du coup, tu me disais que tu avais testé les produits. Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors? oui, alors ce sont, moi j'ai tous les produits de Nathalie, hein, tous les vernis Freedom 3 en 1, je les ai tous achetés, ainsi que les gels, je les ai tous. Alors ce sont des super produits, les vernis Freedom 3 en 1, moi je les ai testés sur moi, aussi bien en vernis classique, donc j'ai essayé de les enlever au bout de 2 jours pour voir que ça va super bien. Ce sont des produits qui s'appliquent très très bien, très facilement. Les gels pour moi ils sont nickel, ils sont auto-égalisants, il y en a qui ne coupent pas, enfin vraiment c'est super. Ce sont vraiment des super produits et j'invite les filles à vraiment en acheter chez toi parce que effectivement ce sont des produits en plus qui sont hypoallergéniques et sains, donc bon pour la santé, mais pas la santé.
Ça, c'est important pour moi, la santé. Donc, moi, je ne peux qu'encourager les gens à venir en resto chez toi parce que c'est vrai que ce sont vraiment des très, très bons trucs. J'adhère Merci. à 100%. Génial, super. Et est-ce que tu as vu une progression au niveau de ton travail par rapport au début de la formation par rapport à maintenant? Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai vu une progression. Maintenant, c'est à toi de me dire si tu as voulu progresser. Oui, tout à fait, tu as bien Mais progressé. oui, j'ai trouvé oui, que j'ai progressé depuis précédemment 2 ans. Ça fait depuis novembre 2017 que je suis chez toi. Oui, j'ai bien progressé. J'arrive à voir mes erreurs, donc à les corriger. Qui corrige vraiment très très bien. Ça, c'est aussi l'aspect positif. C'est que quand on poste sur Facebook, sur ton groupe, les filles nous corrigent, toi tu es derrière, tu nous corriges, tu nous dis ce qui va pas, et donc nous on peut corriger derrière, et puis te remontrer, et puis après, voilà. Non, ça c'est, oui j'ai vu vraiment que j'ai progressé. Ça c'est vrai, je suis assez contente de moi. C'est J'ai encore du génial. boulot, mais voilà, ça viendra. Super. Et donc tu as dit, toi tu as pris les trois formations, donc futur objectif, vraiment te spécialiser peut-être dans le nail art et forme artistique, le proposer Voilà, en c'est plus. ça. Tout à fait. Plus le nail art que les formes artistiques, parce que j'ai déjà testé sur moi, c'est pas très pratique. Mais Oui. ouais, c'est vraiment super. Et nail art, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Génial. Et du coup, les clientes sont contentes que tu te développes et tout ça, que tu Tout à progresses. fait. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, elles sont vraiment heureuses. Et moi, je suis aussi contente. Donc, voilà. Je suis vraiment heureuse. J'ai trouvé le métier qui me correspondait. Moi, j'aime le contact avec les gens. Donc, il y a un bon feeling, donc voilà, c'est important pour moi aussi. Et puis d'embellir la femme, c'est quand même très chouette. Génial. Donc tu t'épanouis à fond dans ce métier, tu ferais rien au Totalement. monde Non, d'autre. Ouais. totalement, je m'épanouis très très bien. Et en plus, comme je dis, j'ai soutien de mon mari et de mon fils, donc c'est important pour moi aussi, parce que ça, malheureusement, tout le monde n'a peut-être pas le soutien de la famille. Mais moi, je l'ai, donc c'est aussi un de mes moteurs et c'est aussi ce qui me fait avancer. Et ouais, je m'épanouis vraiment, je suis vraiment heureuse. Génial. Donc sur le plan professionnel, tout va bien. Et sur le plan personnel, est-ce que tu as réussi à peut-être évoluer sur le plan personnel également? Oui, totalement, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Quand je suis arrivée ici, c'est vrai que j'avais perdu tous mes repères, j'étais complètement perdue, honnêtement. C'est pas facile de quitter la région, la famille, les amis, etc. Et c'est vrai que de faire cette formation, bah oui, ça m'a donné confiance en moi de nouveau, parce que bah voilà, je me suis retrouvée dans un métier qui me correspondait en fait. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment, on peut dire aujourd'hui que je suis heureuse professionnellement et personnellement Ah aussi. bah c'est génial, super. Et si tu avais peut-être un petit mot de la fin à dire à celles qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je leur dirais, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Les formations sont très très bien. Nathalie est quelqu'un de très, une personne de très bienveillante, très gentille, adorable, qui est là toujours à notre écoute, qui est là presque 7 jours sur 7, 24 heures presque sur 24. Voilà, on est un super groupe sur Facebook aussi. Journée internationale, les produits sont nickel. Alors je peux encourager les filles à venir chez toi parce qu'il y a un réel suivi. Voilà, une réelle entente, un réel amour. Enfin, on voit que tu partages ta passion et que tu nous fais partager ta passion, mais on ne peut que le rendre. Donc, allez-y à 100%, voilà. Pas Génial, super. Merci beaucoup Katia Je t'en prie. pour le temps que tu m'as consacré. Je sais que c'est pas facile de faire ces petits témoignages, de sortir de sa zone de confort. Donc ça a d'autant plus de mérite. Donc merci infiniment. Ben moi, c'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que ça m'a permis, moi, de sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai qu'après, on se sent tout de suite mieux. Enfin, voilà, on est tout de suite plus à l'aise. Ouais, c'est vraiment super. Et j'invite toutes les filles, d'ailleurs, qui n'ont pas fait le témoignage, ben, à le faire si elles en ont l'occasion ou si elles en ont envie. Mais voilà, allez-y, faites-le parce que c'est vraiment un réel moment d'échange et très, très agréable. Voilà. Bah, génial, super. Et ça se sent que tu aimes ce que tu fais et c'est génial. Oui, tout à fait. C'est top. Bah, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis on se retrouve très, très vite hein, sur le groupe pour les corrections. Et si tu as besoin de moi, par message, tu le sais. C'est gentil. Merci à toi, Nathalie. Je te souhaite une bonne journée. Moi aussi, je te souhaite une excellente journée. Merci. Salut. Salut!